La gnose, et je vais donner ma définition, mais qui est une définition qu'on peut trouver, qui, qui a été répandue il y a, il y a quelques décennies, et c'est comme ça que je l'interpréterai, c'est comme ça que j'en parlerai, la gnose est une connaissance qui libère et qui nourrit. Irénée de Lyon a fait un grand travail, et on s'est appuyé sur lui pendant des siècles et des siècles. Où il a donc fait son traité contre les gnostiques ou la gnose aux non menteurs. Je me souviens plus exactement. C'est que Irénée de Lyon a regroupé sous un nom de gnostique quantité de mouvements qui étaient en fait des mouvements chrétiens du deuxième siècle, du premier peut-être aussi, mais surtout qui, euh, qui n'avaient pas forcément un enseignement, une croyance commune. Il avait finalement, quand on, quand on regarde, c'était surtout euh, la réfutation. Donc en fait, tout ce qui n'était pas dans le dogme qui était en train de, de, de préparer euh, Irénée. Et Irénée de Lyon, lui voulait, il, il savait que la force était l'unité du, du dogme, de, de rassembler. Et il l'avait pu le constater avec un diagnostic qui était Martion. Marcion était venu à Rome. Et avait ce qu'on appelait, ce qu'on pense être l'évangélion de Martion, c'est-à-dire en fait une sorte de canon, et avec ce canon, il faisait du prosélytisme. Trop longtemps, on a mis tout ça dans un même paquet, des choses qui n'ont rien à voir. Alors bien sûr, il y a des invariants. Alors les gnostiques, pareil, ne pas faire la même erreur qu'Irénée, c'est pas un mouvement qui a une façon de penser uniforme, comme d'ailleurs à l'époque, les chrétiens n'avaient pas une pensée uniforme, canonisée, etc. Les gnostiques, eh bien, c'était ces mouvements, historiquement, les gnostiques, surtout maintenant depuis qu'on a retrouvé les, les textes de Nagamadi, depuis 70 ans maintenant, presque 80, eh bien, les était étaient ces mouvements qui avaient et qui prétendaient avoir une connaissance particulière, une connaissance qui libère. Les même ceux du, du, deuxième, du deuxième siècle, et plus tard, se réclamaient comme les héritiers. Du message de Jésus. Donc on peut penser qu'il y avait des communautés à gauche et à droite qui vivaient l'enseignement qu'ils avaient reçu de Jésus, des apôtres et des anciens. Toute la rhétorique des gnostiques était en fait de, de réinterpréter les Écritures en expliquant que leur Dieu était le faux Dieu. Au mieux, leur dieu était le dieu de l'ancien testament que leur dieu était un dieu archaïque qui demandait euh, vengeance qui rétribuait les bons punissait les mauvais parce que tous les mouvements gnostiques du deuxième siècle ce dont on a trouvé les témoignages dans les rouleaux euh, tous réinterprètent la bible donc ils ont un, un objectif rhétorique tous retrouvent plus ou moins la notion du vrai dieu et du faux dieu je reviendrai là-dessus tous parlent de l'emprisonnement de l'homme par les puissances de ce monde et d'une euh, Libération ou d'une rédemption. Les gnostiques sont effectivement très dualistes, mais ils ne présentent pas dieu, deux dieux équivalents. Ils présentent le Père, pour le distinguer de, de Dieu, le Père qui n'a pas d'origine, qui n'a pas de cause, qui est auto-engendré, qui est indicible, qui est imprononçable, qui est tout ce que tu veux, que l'esprit ne peut pas concevoir, et un faux Dieu. Donc, dans les textes de Nagamadi, on retrouve régulièrement ce, 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 ce vrai Dieu, le Père, et un faux Dieu. Donc, la dualité, si on voulait chercher une dualité chez la plupart des gnostiques, et d'ailleurs tous les gnostiques ont cette dualité, entre le Père et un faux Dieu. Que do, et, et leur, leur rhétorique, c'était à dire ce que nous connaissons, nous savons que votre Dieu, c'est un faux Dieu. Donc, c'était ça le, le, le combat. Alors, il faut voir ce combat dans un contexte. Déjà chrétien. Est-ce que la gnose est d'origine purement chrétienne On parle de gnose chrétienne, et les puristes disent que la vraie gnose chrétienne, c'est le christianisme, et toutes les autres sont les fausses gnoses ou des gnoses non-menteurs. <laughs> euh, celle dont on va parler, et celle qui est dans Nagamadi, c'est principalement des, ce qu'on pourrait appeler des gnoses, des enseignements gnostiques, qui. Et, où on retrouve une réinterprétation des Écritures, une réinterprétation de l'Ancien Testament, principalement de la Genèse. Les écrits gnostiques ont tous une cosmogonie, une anthropogonie, une anthropogonie, et un processus de sauvetage, avec différents noms. Parfois c'est la grande lumière, la grande sagesse, etc. Et j'utiliserai un ou deux mythes pour contextualiser. Les discours gnostiques, historiques, sont des discours de gens qui se prétendaient être les vrais chrétiens et qui avait une gnose, qui avait cette connaissance. Et cette connaissance, à la base, pour le dire en, en mots simples, c'est la connaissance des deux dieux, d'un vrai Dieu et d'un faux Dieu. Je le répète là trois fois déjà. Et pour justifier ça, il réinterprétait les Écritures. Parce il ne se, se nommait pas ⁇ Je suis gnostique ⁇ il ne se nommait pas non plus ⁇ Je suis chrétien ⁇ Il disait ⁇ J'ai une bonne nouvelle hein, ⁇ l'Évangile, le Nouveau Testament, j'ai une bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, en fait, elle était mauvaise pour les autres. Vous croyez en un ancien Dieu, en un Dieu vengeur, en un Dieu qui vous rétribue quand vous êtes gentil, en un Dieu qui vous punit quand vous êtes méchant. Mais, si, si on lit par exemple dans l'évangile de Thomas ou dans l'évangile de Philippe, un certain nombre de phrases, on ne comprend pas où on leur dit Votre Dieu est un dévoreur d'hommes. C'est un Dieu que vous adorez quand vous avez peur et vous attendez qu'il vous remercie si vous êtes gentil. Puis vous aurez des troupeaux et des femmes et. Il dit, mais c'est pas ça, c'est pas ça. Bien sûr, c'est ça pour la société, mais ne n'appelez pas ça Dieu. C'est une idolâtrie comme une autre. C'est délicat aujourd'hui de parler gnose parce que beaucoup de personnes s'imaginent que la gnose, c'est un enseignement ésotérique qui a été révélé. La gnose n'est pas un enseignement ésotérique, même, même si certains textes de Nagamadi le laissent penser. Certains textes de Nagamadi sont carrément des liturgies avec des, avec des sacrements, avec euh, un enseignement sur les anges, sur l'angéologie, la création de l'homme, comment, comment les anges, les, les, les éons, les, les archontes ont contribué à la création de l'homme. Et je t'en parlerai pour, pour montrer d'où ça peut venir. Mais la gnose n'est pas un enseignement ésotérique. C'est quelque chose. Que ces premiers chrétiens savaient et qui leur donnait ce discernement et ce qui est propre aux gnostiques de l'époque, c'est qu'ils adaptaient leur langage au peuple auquel ils allaient parler. Parce que pour eux, qui est mille dieux ou cent dieux ou dix dieux, c'est tous des dieux archaïques. Donc en fait, ils allaient adapter leur langage puisque euh, l'idée c'était de dire qu'il y a un vrai dieu au-dessus de cette euh, de cette mascarade. Enfin, selon qu'ils étaient extrémistes ou pas, ils appelaient ça une mascarade ou une illusion ou, ou un emprisonnement. Et donc les gnostiques n'ont jamais cherché à, à uniformiser leur enseignement, alors que petit à petit, l'Église a uniformisé son enseignement. Et avec la puissance d'un enseignement euh, assez euh, uniformisé, eh bien, la puissance avait plus de, 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 de. Cette parole avait plus de poids pour se répandre, etc. Donc on pourrait dire, d'une certaine façon, que ce qui a donné que ce qui a donné les, les, les prémices de l'Église qui allait devenir l'Église catholique, romaine, dominante, c'est tout simplement une de ces nombreuses sectes qui a été plus maligne et plus puissante que les autres. La toute première dans, le, dans les textes, c'est la réinterprétation de l'origine du monde, la cosmogonie. Parce que l'idée, il fallait arriver à prouver que le dieu en quel croyaient les, les personnes était un faux dieu. Donc, l'idée c'était ça, toute la rhétorique c'était ça. Donc, il fallait bien habiller, d'avoir un discours, s'appuyer sur les textes anciens, et chaque fois qu'il y avait une possibilité d'interprétation, on l'interprétait différemment. Euh, une, euh, le, la cosmogonie la plus connue des gnostiques, et on sait que certains traités euh, sont basés là-dessus, c'est-à-dire c'est un présupposé, vous connaissez l'histoire de la chute de Sophia. Donc, c'est l'Apocryphon de Jean, qui est dans le deuxième codex. Ça s'appelle l'Apocryphon ou le livre secret des révélations de Jean, et qui est un livre donc, où on dit que l'apôtre Jean avait eu une révélation, etc. Et là-dedans est contenue la cosmogonie à peu près la plus simple, enfin la plus facilement transposable et simplifiable du, du mythe gnostique, qui est donc le mythe de Sophia. Pour faire simple, mais j'invite tous ceux qui sont intéressés par la gnose à lire l'Apocryphon de Jean. Donc cette cosmogonie... Donc, ça part de l'esprit, de l'esprit invisible, du grand esprit invisible, de l'innommable, de ce qui n'a pas de nom, de ce qui n'a pas de source, de ce qui n'a pas de cause, euh, tout, toutes, ces, toutes ces formulations que tu peux retrouver. Parfois, tu en as trois pages, des formulations comme ça. Et ils appellent ça le Père. En général, ils appellent ça le Père, qui est dans le silence. Il n'y a que le silence qui peut l'exprimer. Et dans certains textes gnostiques, ils sont souvent associés à un double ou à une hypostase ou à un reflet. Ce qui est intéressant dans les, dans les, dans les textes gnostiques, c'est que souvent ça marche par reflet, de reflet, de reflet, un petit peu comme dans la pensée euh, à la fois grecque, où tu ne passes pas du, du monde divin au monde matériel sans des couches intermédiaires. Et pareil dans, dans la vision euh, de l'angéologie euh, chez les Hébreux. Donc tu passes de couche en couche, et une des techniques de la rhétorique diagnostique, c'est-à-dire que tout ça, ça se reflète à chaque fois. Le, le, le vrai, le père de l'origine, comme ensuite le faux Dieu, qui se reflète à nouveau, il y a le père. Le père a une sorte de double qu'on appelle Barbello dans ce, ce traité. Barbello, parfois elle est nommée comme la... La vierge virile ou la vierge mâle, ou en gros, c'est quelque chose qui permet d'exprimer l'intention, la parole ou la manifestation du, du, du vrai Dieu, du Père. Disons qu'ensemble, Barbello et le Père créent ce que les gnostiques appelaient les grands éons, les grands éons du Père. La première intelligence, la première pensée, la première. Euh, euh, je ne les ai plus en tête, mais toutes ces premières grandes, grands principes. Et, et la, 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 la création continue, elle diffère de livre en livre d'ailleurs, hein, selon les communautés, la cosmogonie était différente. Plus ou moins euh, travaillée, plus ou moins complexe. Et l'important c'était d'arriver à Sophia. Pas toujours à Sophia, parfois ailleurs, mais disons à Sophia. Et à un moment donné, donc, une des dernières, euh, un des derniers éons qui a été créé, c'était Sophia, la sagesse. Et, nous dit ce texte, la sagesse avait la sagesse. C'est-à-dire, c'était la sagesse. C'est un néon, c'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas un être, ce n'est pas comme une divinité qu'on peut représenter. C'est un néon, la sagesse. C'est-à-dire que... que, que tout dans le monde est imprégné de sagesse. Et si, ça, si la sagesse existe, c'est grâce à Sophia. Comme elle avait la sagesse, eh bien, elle s'est dit je voudrais et je peux créer quelque chose en dehors de l'assentiment du Père. Et au moment où elle exprime cette pensée, puisqu'il y avait un néon de la première pensée, les choses apparaissent. Et donc, elle a créé quelque chose par le simple. Par la simple pensée de vouloir le faire en dehors du Père, elle a créé quelque chose qui était en dehors de l'assentiment du Père. Mais elle a créé. Voyant ce qu'elle a créé, elle se rend compte qu'elle a créé quelque chose qui n'a pas sa place dans le plérum, où tout est unité et simplement manifestation, expression différente, mais d'une unité commune. Voyant ce qu'elle a créé, elle s'est dit je vais le cacher et elle l'a entouré d'une lumière et elle l'a jeté très loin en dehors enfin je, je sais pas écrit comme ça mais elle l'a envoyé très loin en dehors du plérome donc on arrive à la fin de cette cosmogonie à une certaine situation donc il fallait, il fallait dans les discours gnostiques plus ou moins arriver à cette situation ensuite raconte le mythe cet être qui avait été créé et bien se retrouve tout seul il trouve tout seul. Lorsqu'il regarde vers le haut, il voit de la lumière, et il sent plus ou moins que cette lumière, c'est sa mère, que c'est un aspect de Sophia. Et comme il a ce pouvoir qu'il tire de cette, de cette lumière, qui est une partie du plérome que Sophia lui avait l'avait avait envoyé avec lui en dehors du plérome, eh bien, il se dit je vais créer des mondes. Et Yald, donc il s'appelle Yaldabaoth dans le récit de l'Apocryphon de Jean. Parfois, il s'appelle Saklas, Samaël, dans d'autres livres. Donc, Yaldabaoth. Yaldabaoth crée des mondes. Occupe ces mondes avec des principautés, avec des archontes, des éons, et euh, crée des mondes de plus en plus, chaque fois en tirant sa puissance de cette lumière qui était au-dessus de lui. Lui ne savait pas d'où il venait. Il ne savait pas d'où venait cette lumière, mais il voyait qu'il était le grand archonte, le grand archonte, le grand créateur du monde qu'il avait créé. Mais ce monde était créé dans les ténèbres, quoique avec une force qu'il avait héritée de la lumière. Mais lui ne savait pas ce que c'était. Et donc il a proclamé à ce monde Je suis le seul Dieu. Je suis le seul Dieu et il n'y en a pas d'autre que moi. Donc je fais une petite coupure par rapport au mythe. Ça c'était un, un moment important aussi auquel il fallait arriver. Pour que dans la rhétorique, on se dise, ah ben oui, si je suis bien ton histoire, on arrive à un faux Dieu. Un faux Dieu qui est, en fait ne connaît pas son origine et ne sait pas d'où il vient. Donc là, on peut faire un lien avec qu'est-ce que la gnose La gnose, c'est justement ce que n'a pas Yaldabaoth. Il ne sait pas d'où il vient. D'où euh, l'importance qu'accordaient ces, ces gnostiques à l'écriture d'une cosmogonie. Pour dire, nous, on sait d'où on vient. Donc il fallait arriver à ce point. En fait, il y a un faux Dieu qui ment, mais en fait, il ment parce qu'il ne sait pas d'où il vient. Ne sachant pas d'où il vient et voyant sa, sa puissance de création, bah, dit Je suis le seul Dieu. Donc ensuite, tu peux trouver différents textes. Donc, là, après commence une autre histoire. Hein mais c'était ce, ce passage, tu vois, c'est un pivot auquel il fallait arriver. Ensuite, certains textes expliquent la chose suivante. Du haut du plérôme, du haut du plérôme, descend une voix, parfois descend une lumière, parfois descend autre chose, qui dit Non, Yaldabaoth, tu n'es pas le seul, ou alors non, sa classe, tu mens, non, Samaël, il existe un être plus grand que toi. Selon les récits, c'est l'homme originel, c'est le grand homme euh, universel, c'est euh, le père. Euh, mais toujours est-il Non, sa classe. Non, Yaldabaoth, il existe un être supérieur à toi. Et ça, c'est une voix, une lumière, selon les trucs, qui descend dans les ténèbres. Donc il l'entend. Et euh, il a un choc. Dans, dans le récit de, de l'apocryphon de Jean, mais surtout augmenté de, du récit de l'hypostase des archontes, ça va plus loin. Parce qu'il se passe quelque chose qui est décrit dans certains livres, c'est qu'au fur et à mesure que Yaldabaoth, donc le, ce, ce dieu, crée, il puise sur la lumière de la Sophia. Et la Sophia, au fur et à mesure qu créée, que sont créés ces mondes des ténèbres, la Sophia perd de sa lumière. Et dans l'évangile de Philippe et dans d'autres, on commence à dire que la, la Sophia commençait à, on, à, à osciller. Alors on peut très bien imaginer, ce n'est pas forcément vrai, mais qu'en fait elle était allée de plus en plus vers le bord du plérôme, là où au-delà du plérôme étaient les ténèbres, et elle commençait à osciller. Une partie de sa lumière était dans les ténèbres, et elle, petit à petit elle basculait entre les ténèbres et la lumière. Et à un moment donné, une partie d'elle est descendue avec. D'autres textes l'expriment autrement. Et la façon en général qui permet de coller avec les écritures, parce que l'idée c'était aussi de, de, de coller avec les écritures, était l'histoire suivante. Au moment où ils ont dit, non sa classe, non, Yaldabaoth, il existe un être supérieur à toi, ce qu'ils ont fait en même temps, c'est que du plérôme, ils ont envoyé à travers les mondes des ténèbres, jusque tout en bas, se refléter dans les eaux, ou se refléter dans la conscience des archontes, selon le texte que tu lis, mais se refléter tout en bas dans les ténèbres, l'image de l'homme véritable. Quand Yaldabaoth a vu ça, quand tous les archontes ont vu ça, ils n'ont jamais vu quelque chose d'aussi beau. Et Yaldabaoth, pour ne pas perdre la face, se dit, il appelle tous les archontes, et il leur dit, Créons un homme sur cette image. Et tous les archontes se sont dit, créons un homme à cette image. Et chacun des, des, des princes, des principautés, des différents mondes qu'il avait créés, avait donné la meilleure partie de lui-même. Et tu as certains textes qui t'expliquent comment chaque organe est, est créé, les sangs, le, le, le nerf, les sangs, la peau, les ongles, etc. En gros... Je, ré, je résume, ce n'est pas dit comme ça, mais tout, tout, toutes ces créatures des ténèbres qui étaient sous l'emprise de Yaldaba, Yaldabaoth, qui se prétendaient le, le Dieu unique, et les autres le regardaient, ils voyaient bien que c'était lui le seul qui avait une lumière, même s'ils ne savaient pas d'où elle venait, eh bien, ils y croyaient que c'était le seul Dieu. Ils ont créé un homme, ils ont donné la meilleure partie d'eux-mêmes dans les ténèbres. Donc ils ont créé un homme dans les ténèbres, avec les matériaux des ténèbres. Mais les matériaux des ténèbres étaient la meilleure partie de tous les archontes, et ces archontes avaient été créés par Yaldabaoth dans l'inconnaissance et l'ignorance, en puisant sur la force de sa mère, la Pistis Sophia, qui elle était une lumière du plérôme. Donc tu vois la, 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 la complexité de la pensée pour arriver jusque le but, le but final de leur discours, c'était de dire que la lumière et la sagesse étaient, étaient emprisonnées dans les ténèbres. Eux, ils le savaient à quoi ils voulaient aboutir, mais il y avait des étapes entre les deux. Donc cette étape, c'était celle-là. L'homme qui a été créé, donc tu retrouves bien sûr la création de l'homme du, du récit du paradis. Pas la création de l'homme du récit de la création dans le premier chapitre, mais tu retrouves plus ou moins la, la création de l'homme du récit du paradis, deuxième chapitre de la Genèse. Donc ils ont créé l'homme à son image. Donc il y avait un pivot supplémentaire pour ensuite aller dans la rhétorique pour argumenter. Mais ce n'est pas fini. Parce qu'avec les siècles et les générations, ils ont développé leur argument. Donc il y avait bien dans, dans, dans ces textes et cette cosmogonie un homme véritable créé par Dieu à son image, qui était le plus puissant, le plus beau, le, le, le très grand. Et puis il y avait cet homme dans les ténèbres, fabriqué avec les matériaux des ténèbres à l'image du Très-Haut. Mais cet homme était sans vie. Il, il tenait pas debout. Alors, il y a eu un subterfuge, et c'est ça, ça qui est intéressant. Donc, tu vois là comment ils étaient malins, enfin malins et intelligents parce que c'est que de la voix d'en haut, d'en haut, cette voix qui avait dit non, tu n'es pas le seul, regarde l'image du très haut, cette voix a dit autre chose. Euh, Yaldabaoth. Tu pourras faire la plus belle des créatures en modelant un homme sur cette image, mais elle sera encore plus puissante et tout le monde reconnaîtra que tu es un vrai et seul Dieu si à ta créature tu lui donnes la lumière de ta mère. Alors, je ne sais pas s'il a hésité ou pas. <laughs> D'ailleurs, ça ne s'est pas passé comme ça. Hein. Mais. Euh, à ce moment-là, Yaldabaoth prend cet homme créé par les archontes, qui ne tenait pas debout, il lui souffle dans le visage, et au moment où il souffle dans le visage, toute la lumière qu'il avait reçue de sa mère passe dans l'homme. Et à ce moment-là, il se rend compte que l'homme qu'il venait de créer lui était supérieur, et lui venait de perdre la lumière de sa mère. Et tu vois à quoi ils vont se raccrocher dans, 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 les, dans, le, dans le texte de la Genèse. C'est après le récit du paradis, quand les, y avait réunit les Elohim, et qu'ils disent « voici que l'homme est devenu comme l'un de nous ». Donc, dans cette situation incroyable, ça, ça mériterait un film à Hollywood, dans cette situation incroyable, Yaldabaoth voit qui s'est fait avoir, l'homme qui vient de créer, lui, est supérieur. Bien que, bien que fabriqué avec les matériaux des ténèbres, il est à l'image du Très-Haut, et en plus, il a la puissance de la Sophia, qui, qui, qui est du Très-Haut. Et là, il s'est dit, maintenant, ça suffit. On a peut-être perdu la lumière, mais on va l'emprisonner dans les ténèbres. Et il a emprisonné l'homme qui vient de créer dans un corps de glaise. Et plus tard, selon les différents récits, il l'a coupé en deux, de façon à ce que la lumière soit dans une partie de lui-même et euh, l'image dans l'autre. Et donc, avec, la, avec différents récits de la création d'Adam et d'Ève, etc. Donc, il y a quelques, quelques, quelques bouts de mythes encore qui sont importants, euh, et je les explique toujours avec ce point de vue, hein, ce point de vue qu'en fait il, il s'agissait de convaincre, de convaincre, de convertir, de, de faire germer, de faire jaillir une, une connaissance. Euh, une des interprétations du mythe d'Adam et d'Eve, et surtout du serpent, est la suivante Est-il vrai que Dieu vous a interdit de manger de l'arbre. Et puis, euh, Ève répond euh, Oui, ou attends, oui, il nous a interdit de manger de l'arbre, il nous a dit que si on en mange, on meurt. Et le serpent Ce n'est pas vrai. Si vous en mangez, vous ne mourrez pas, mais vos yeux s'ouvriront. En gros, ça, c'est dans le chapitre 3 de la Genèse, lis ces paroles. Finalement, ils en mangent. Leurs yeux s'ouvrent, ils voient qu'ils sont nus, et toute la suite, ils sont chassés du paradis, etc. Comment les gnostiques interprètent ça Donc, euh, l'interprétation classique, c'est ils ont désobéi. Comme ils ont désobéi, ils sont chassés du paradis. Ils devront, ils devront gagner leur, leur, leur pain, la sueur de leur front et enfanter dans la douleur. Et le serpent maudit rampera par terre pendant toute sa vie en plus. Comment les gnostiques vont utiliser ça Parce que c'est croustillant pour eux. Il dit non, 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 non. Non, 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 non. Au moment où Yaldabaoth a coupé l'homme en deux de façon à ce qu'il y ait d'un côté son image, de l'autre côté sa sagesse, mais le tout enfermé dans la matière et sous contrôle, eh bien non. Une partie de la sagesse est contenue dans Ève, dans l'âme humaine, 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 et une autre partie est de Sophia et qui est du monde des lumières. Et cette partie va parler à travers le serpent. Donc le serpent s'adresse à Ève, naturellement, puisque derrière le serpent, tu as un aspect de la Sophia du plérôme, qui parle à Ève qui est le résidu de la lumière de Sophia dans l'âme humaine. Et donc elles se comprennent. Ève, elle, elle écoute le serpent. Le serpent lui dit C'est pas vrai, tu ne mourras pas Que fait Ève dans le récit de la Genèse Elle regarde l'arbre et elle voit qu'il est bon à manger. Donc elle a un discernement direct, direct, puisqu'elle a la lumière. Qui, à travers le serpent et à travers la Sophia dans son âme, se sont connectés. et voit que l'arbre est bon à manger, elle en prend, elle en donne à Adam, leurs yeux s'ouvrent. Donc les gnostiques disent Tu vois bien qu'il a menti, vous n'êtes pas mort. Vous n'êtes pas mort, vos yeux sont ouverts. Donc qui est menteur Après les gnostiques disaient Qui est menteur Le serpent qui a dit la vérité Non, vous ne mourrez pas, mais vos yeux s'ouvriront, ce qui s'est effectivement passé. Ou celui qui vous a interdit de manger de l'arbre et qui vous dit si vous en mangez, vous mourrez. Comment les gnostiques expliquent le, le fait qu'il que y avait Dieu à chasser Adam et Ève du paradis Pour eux, c'est comme ils sont devenus comme eux, comme ils ont eu la gnose au sens d'une connaissance par la vision directe grâce à la Sophia, eh bien, il, il s'est dit il va falloir les enfermer encore plus loin dans la matière et donc il les a chassés du domaine qu'il avait préparé pour eux, dans lequel il leur avait demandé de rester tranquilles, de donner des noms à tout, mais tant que vous ne savez pas d'où vous venez, au moins la Sophia, la lumière, restera emprisonnée là. Mais comme ils s'en sont rendus compte, il s'est dit, là, ils sont devenus comme nous, au sens, ils savent. Mais en fait, l'homme est supérieur au dieu de l'Ancien Testament dans les propos des gnostiques et ça c'est insupportable, et donc il les a chassés du paradis, c'est sous-entendu, il les a mis enfermés dans un corps encore plus grossier. Et certains, certains textes gnostiques disent ensuite, en plus, la femme a été souillée par les archontes des Éons. C'est-à-dire, les, les esprits des ténèbres, les démons des ténèbres sont venus souiller Ève pour qu'elle enfante des enfants des ténèbres. Si tu te dis, la racine, c'est que quelqu'un a voulu préserver le message de Jésus et qu'au fur et à mesure, eh bien, il a voulu l'enrichir, mais l'enrichissant, il l'a compliqué, appauvri et dénaturé. Les gnostiques eux-mêmes, qui se prétendaient les vrais chrétiens. Donc, il y a différentes interprétations de Cain et d'Abel, mais en gros, on dit qu'il y en a un qui est le fils de, de l'eau, l'autre qui est le fils du feu. Certains disent que, certains disent que Adam connut Ève et elle enfanta Cain. Ils disent, ça, c'est l'enfant de l'homme. Et la Bible dit, Ève enfanta encore Abel. Et les gnostiques se disent, il n'est pas écrit qu'elle a connu Adam. De qui est ce deuxième enfant et donc apparaît, ce deuxième enfant est un enfant qui a été obtenu par la souillure d'Ève, par les archontes des Éons. Donc on a deux enfants, Cain et Abel. Cain l'enfant de l'homme, enfin de l'homme qui était déjà l'homme du... emprisonné, et l'autre qui est l'enfant du faux Dieu. Et puis tu as d'autres aussi, qui... et donc quand ils, quand ils présentent... Alors ça c'est intéressant, vision gnostique. quand ils font leur offrande, qu'est-ce que dit le chapitre 3, 4 ou... Il dit que Abel fait une offrande et elle monte, elle est appréciée par Dieu. Cain fait une offrande, il n'y a rien. Alors les, 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 les écrits classiques disent, bien, bien sûr, puisque Cain était du coup jaloux et en colère, alors que son frère Abel, son offrande montait au Dieu, donc du coup il se lève contre, contre Abel, Abel tombe et on dit qu'il qu l'a tué, c'est le premier meurtrier. Bien sûr, on peut, on peut bâtir quelque chose. Mais qu'est-ce que disent les gnostiques Les gnostiques disent tu as bien compris l'histoire, là, je t'ai tout expliqué. Pourquoi l'offrande d'Abel monte aux cieux parce que, parce que dans les cieux, il y a son Père, le Dieu des ténèbres. Pourquoi l'offrande de Cain ne monte pas Parce qu'il n'en veut pas. C'est l'enfant de l'homme qui est le reflet euh, ou un aspect de l'homme véritable qui lui est supérieur. Tu vois Puis ensuite, tu as d'autres variantes aussi, où ils disent, en fait, les deux sont quand même des ténèbres, l'un un peu moins que l'autre, ou l'un un peu autrement que l'autre, et en fait, leur naît un troisième fils, Seth, et ça aussi tu le retrouves dans la Genèse. Seth, qui est ensuite euh, considéré par certains gnostiques, les Septiens, les Valentiniens, comme étant le vrai enfant d'Adam et d'Ève, qui porte en lui la... À nouveau, l'image de l'homme originel, le germe de la sagesse de l'homme originel, en gros, un germe de l'âme divine, un, un reflet de l'image de l'homme divin. Et c'est les descendants de Seth qui seront les vrais gnostiques et la race des pneumatiques, des spirituels, qui sont les enfants de la gnose. Ça, c'est ensuite un discours que tu retrouves dans la gnose valentinienne avec euh, la, la race de Seth. Tu vois, les. Et là, on rentre dans, des, dans, dans tous les textes gnostiques avec la tripartition des hommes, les, les spirituels, les psychiques, les illiques, et, et bien sûr les dérives. Quel est le motif ou la justification du pardon de Jésus Pardonnez-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Pas parce qu'ils sont méchants. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc tu vois, la racine du gnosticisme, on leur pardonne parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils sont encore aveuglés. On, ils sont encore en train de croire que s'ils mangent de l'arbre de la connaissance, ils vont mourir. Mais ce qui va mourir en eux, c'est la partie de toute façon périssable qui sont les ténèbres. Parce que s'ils mangent de l'arbre de la connaissance, leurs yeux vont s'ouvrir. Et pourquoi j'ai dit tout au début, la gnose est une connaissance qui libère, elle libère de l'illusion, elle ouvre les yeux, et qui nourrit. Parce que cette âme enfermée dans les ténèbres, encore fallait-il qu'elle grandisse, qu'elle mature et qu'elle puisse devenir suffisamment belle et puissante et mature pour rentrer à nouveau dans son domaine. Parce que tant qu'elle est petite, et on considère qu'elle est petite, elle est maintenue dans les ténèbres. Donc la gnose est une connaissance qui libère et qui nourrit. Euh, je vais prendre ton terme. C'est une philosophie, euh, mais au sens antique. C'est-à-dire c'est une façon de se représenter le monde et l'homme. Qui est une philosophie au sens, elle est capable de rendre l'homme et l'humanité heureuse, pour autant qu'ils vivent en concordance avec cette pensée et cette représentation du monde. Donc c'est une philosophie au sens antique, au sens des écoles de philosophie qu'on a appelé ensuite les écoles initiatiques, etc. C'est-à-dire l'homme est heureux s'il est vertueux. Au sens, il vit au quotidien ce en quoi il croit ou ce en quoi il a foi. La, 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 la philosophie antique. C'est vivre, vivre ce que tu. extériorises, vivre et mettre dans ta vie ce que tu prétends, ce que tu crois, ce que tu penses, ce que tu proclames. Donc si tu voulais transposer un gnostique aujourd'hui, ça n'aurait pas de sens. Tu, tu peux bien sûr, et il y en a aujourd'hui, hein, dans les batailles, dans les différentes versions, les visions du christianisme, tu as des batailles pour dire les gnostiques, etc. etc. Il faudrait déjà expliquer aujourd'hui et dénoncer qui sont les princes de ce monde d'aujourd'hui. En quoi croyons-nous quels sont les nouveaux dieux, au sens des anciens dieux archaïques Qui sont nos idoles aujourd'hui Qui sont nos idoles aujourd'hui hein Est-ce que c'est le vaudeur C'est qui, qui, qui le d'or d'aujourd'hui Est-ce que c'est le dieu de la finance Est-ce que c'est le dieu des médias Est-ce que c'est le dieu de, de la mode est-ce que c'est le dieu du contrôle absolu par, euh, par les, les techniques informatiques? est-ce que c'est le dieu de la communication? Euh, il faudrait voir aujourd'hui où sont les puissances à l'époque. au premier siècle, les puissances étaient plus ou moins faciles à discerner. d'ailleurs, on, on appelait leur ancien dieu le dieu des armées. effectivement, qui avait une armée avait une puissance. et souvent, les puissances religieuses et les puissances euh, euh, de gestion de l'état était de mèche. Une autre puissance, c'était les Romains, l'envahisseur. Une autre puissance, c'était les Hérodes, les Tétrarques de l'époque qui gouvernaient euh, tout ce peuple là-bas. Et donc, le, le, si on regarde les paroles de Jésus, c'était toujours contre, contre les archontes des éons, tel que c'est traduit euh, cent ans après. Mais les vraies puissances, c'est cela. Dans les paraboles de Jésus, il parle du maître. Après, on a dit que le maître, c'est le démon. Mais le maître, c'est le vrai maître, celui qui nous a servi, qui les a servissés. Donc, le gnostique aujourd'hui, tu poserais les questions jusqu'à ce que tu comprennes qui t'a servi, de qui tu es l'esclave, qui te promet, qui te promet la vie éternelle, qui te promet le bonheur, qui te promet le machin. Alors qu'en fait, à la fin, il n'y a rien. Ouvre les yeux et tu verras qui est menteur. Est-ce qu'aujourd'hui la science te donne la vie éternelle Est-ce qu'aujourd'hui les médias te donnent la vérité est-ce qu'aujourd'hui le système bancaire te donne l'opulence? Ouvre les yeux. Qui est menteur? Moi qui te raconte ça? Dirait l'ognostique de l'époque. <laughs> tu dirais le serpent. Dirait le serpent de l'époque. <laughs> Et, euh, et il s'adresse à l'âme humaine, c'est-à-dire à la conscience humaine, à la conscience pure, protégée, intérieure, vierge de toute représentation, de tout dogme. De... Qu'est-ce qui pourrait être le pendant des gnostics d'aujourd'hui ben, Ceux qui dénoncent le faux Dieu, ceux qui refusent l'autorité du maître et qui les rend en esclavage, ils dénonceraient le mensonge. Euh, et si vous voulez être vraiment gnostique, faudrait il faudrait qu'il propose une voie de salut. Quelle pourrait être aujourd'hui cette voie de salut je répondrai, c'est la même qu'à l'origine. C'est-à-dire, euh, cette chose qu'on ne peut pas exprimer, cette partie divine de l'homme qui échappe à l'entendement, cette lumière enfermée dans les ténèbres, cette, euh, cette perle tombée dans l'obscurité, que l'humanité, chacun en tant qu'individu, prenne conscience du mensonge qu'il se raconte lui-même. Tu aimes ton prochain toi-même. Il y a le respect, où il y a la confiance, où il y a l'humilité par rapport à l'inconnu, par rapport à l'inexprimable. Et puis, euh, avec les connaissances actuelles, euh, de savoir que nous vivons dans un monde limité et qu'on euh, aura le choix soit sacrifier une partie de nos ressources, ou alors se dire euh, on vit comme une communauté et on se partage les ressources. Et l'avenir, ce n'est pas forcément le progrès et euh, le, le comblement de notre ignorance et de notre manque de pouvoir réel, c'est de vivre en communauté, de se respecter, et que la nature nous donne sans doute suffisamment à manger pour tout le monde. Si jamais, si jamais, ce, que, si jamais ce qui est en train d'émerger, de jaillir dans la conscience des jeunes générations pour la protection de la nature, pour le respect des autres, pour le refus de, de l'emprisonnement des, des, des archontes de notre siècle, hein, c'est-à-dire le pré-mâcher, le pré le pré le pré-formuler, le... euh, il, il est possible que jaillisse ce qu'on pourrait appeler une conscience gnostique. Et, et si des communautés se forment, elles, pour, elles, elles, elles mettront une lumière dans les ténèbres. Et les ténèbres se réveilleront comme elles se réveillent tout le temps. C'est-à-dire attention, notre grand jeu auquel nous contribuons consciemment ou inconsciemment va être mis en lumière. Et en général, il ne l'est pas consciemment. Puisque les, les dieux archaïques euh, sont des idoles, hein, l'idolâtrie, ils ne sont pas transcendants. Mais euh, ils sont transcendants tant qu'on ne sait pas qu'ils sont transcendants. Une fausse transcendance. Si aujourd'hui on se rend compte que ceux qui nous promettent l'avenir, la santé, la paix, ce que tu veux, enfin tout ce que tu peux lire dans tous les, les journaux à dormir debout, eh bien le jour où tu te rends compte que mais qui permet ça C'est une question d'être humain. Il n'y a aucune transcendance là-dedans. Il n'y a aucune transcendance. Alors si qu'est-ce qui se passera Il se passera comme ce qui s'est passé dans tous les siècles. Il faudra étouffer leur voix et les exclure. Le serpent était l'animal le plus rusé des champs. Et il paraît, j'en sais rien, mais on peut vérifier, il paraît que le mot rusé, ce sont deux ou trois lettres hébraïques, c'est un qualificatif. En fait, le qualificatif pour qualifier le serpent est un mot, semblerait-il, très rare dans la Bible, ou au moins dans la Genèse, et, et qui a été traduit par le serpent était l'animal le plus rusé des champs. Mais ce même qualificatif apparaîtrait dans le texte hébraïque, euh, lorsque les yeux d'Adam et d'Ève s'ouvrent. Lorsque les yeux d'Adam et d'Ève s'ouvrent, ils virent qu'ils étaient nus. Mais ce nu et ce rusé seraient le même mot ou auraient la même racine. C'est-à-dire la vérité directe, pure, sans, sans l'habillage, du monde et des habits de peau de l'archonte des ténèbres. Parce que si, notre, si, si les, les écrits nous expliquent que notre corps a été euh, fabriqué de, de ténèbres, en fait il a été, la lumière a été euh, enfermée dans la ténèbre. Mais pareil pour la lumière de l'âme, la lumière de l'intelligence. Quelles sont les ténèbres de notre intelligence, tu vois? Qui, qui... Combien, de personnes, euh, combien de personnes mettent en doute leurs croyances? Et encore pire, combien de personnes mettent en doute leurs pensées le, si tu parles de chemin initiatique ou de connais-toi toi-même ou de rentrer dans le silence des, des pensées ou des désirs ou des émotions, ce n'est pas un chemin facile. C'est pour ça qu'il y a d'autres chemins qu'on pourrait qualifier de gnostiques. Je ne les connais pas. Dans d'autres civilisations, dans d'autres parties du monde, il y a assurément des personnes qui ont présenté un enseignement qui ouvre les yeux et qui dénonce le mensonge du, du monde. Mais si, je reviens sur ce que tu disais, l'agnostique aujourd'hui. Ben, l'agnostique aujourd'hui mettrait en péril l'équilibre de, de ce monde. Comme, met, comme les propos de Jésus mettaient en péril l'ordre. Qu'est-ce que Pilate a dit au bout d'un moment, je crois il, dit, ah, il vaut mieux qu'il n'y en ait qu'un seul qui meurt, plutôt qu'on euh, qu ait la pagaille partout. Hein. Mais plutôt, euh, il vaut mieux qu'il y en ait un seul qui meurt, qu'il y ait la pagaille partout, ça veut dire qu'il n'était pas du pluie, du fonctionnement humain. C'est-à-dire, on va donner à la masse euh, ce qu'ils attendent parce qu'ils voulaient tous le lâcher, euh, et puis ils seront calmés pendant un moment. Aujourd'hui, il faut se poser la question qui on va sacrifier aujourd'hui Qui on va sacrifier aujourd'hui aujourd pour maintenir un équilibre précaire pour le reste Et individuellement, qu'est-ce que chaque individu aujourd'hui va devoir sacrifier pour rester dans un équilibre qui se terminera de toute façon par la mort et par un équilibre précaire par rapport à l'humanité, voire à la civilisation. Le serpent des c'est vraiment le véhicule du message du Sauveur. Certains disent même, dans certains textes gnostiques, on n'hésite pas ou on devine qu'ils font l'association entre le message de Jésus et le message du serpent. Tu vois jusqu'où ça va. Parce que qu'est-ce qu'a dit le serpent il leur a ouvert les yeux il leur a raconté un mensonge qu'est-ce que dit Jésus à un moment donné il leur dit choisissez entre, personne ne peut servir Dieu et Mammon à la fois alors qui était Mammon à l'époque dans le langage gnostique c'était le faux dieu euh, mais il enfin, y a quelque chose de très intéressant chez ces gnostiques, hein, enfin, qui moi me, me passionne, c'est cette, cette, cette possibilité de transposer à tous les niveaux, jusqu'au jusqu plus profond de ta conscience et de ton âme, euh, cette histoire. Et je pense que si tu intériorises cette histoire, c'est là qu'elle a lieu. C'est-à-dire, tu détrônes ton, ton Samaël intérieur, qui est euh, la pensée. La pensée, tu ne sais pas d'où elle vient. Enfin, si je te pose la question, pour toi, elle est capable de créer. Donc, le, tu vois, donc la lumière qui rentre dans l'âme, c'est déjà celle-là. Est-ce que tu te rends compte que ce que tu es en train de créer par ta pensée ne fait qu'entretenir ta prison Une prison, néanmoins, dans laquelle il y a un équilibre précaire qui permet de vivre. Hein Puisque ce n'est pas parce que l'homme est emprisonné qu'il ne vit pas. Mais il ne vit pas au sens diagnostique. Puisqu'il est enfermé. Ce n'est pas parce que tu es enfermé dans une prison que tu es vivant pour un Pour agnostique tu es vivant si tu vis en dehors de la prison. Mais en dehors de la prison, il ne faut pas compter sur les gardiens de la prison pour te venir en aide. Donc il y a tout à construire en dehors de la prison. Mais dans un langage gnostique, si tu veux te libérer, il faut que tes yeux s'ouvrent. Et quand tes yeux s'ouvrent, c'est les yeux de l'âme qui s'ouvrent. L'âme qui est l'héritière de la sagesse divine. Donc, il y a, il y a, et, et la confiance dans l'âme, Adam, il a eu confiance en Ève. Eve lui tend du fruit, il va pas se poser la question, Dieu nous a interdit, patati, il commence à rentrer dans un débat, et si je le fais, qu'est-ce que tu m'accordes Adam en prend, il en mange. Si on le fait de, sur un chemin initiatique ou personnel, il faut trouver l'archonte dans notre être, c'est-à-dire celui en qui on croit et qui lui-même exprime, je suis le seul Dieu. Donc ça veut dire... Est-ce qu'on est capable de pousser jusqu'à identifier la toute dernière de nos croyances et de nos certitudes à laquelle on tient et qu'il est, qu est impossible de lâcher Le rachat viendra de la lumière en l'homme. La lumière qui est en l'homme, qui est emprisonnée dans l'homme, dans la vision gnostique du monde. Les gnostiques considéraient que eux, leur âme, étaient enfermés dans les ténèbres. Les ténèbres qui étaient la matière qui leur. Qui leur empêchait de faire tout ce qu'ils voulaient, enfin, qui était la matière, avec tout ce que peut contenir le corps, avec les pulsions, enfin, quelle que soit la, la, la notion qui donnait la ténèbres. Et lorsqu'ils regardaient le ciel, la nuit, ils voyaient tout noir. Donc effectivement, c'était les ténèbres. Et lorsque le soleil apparaissait, peut-être que certains se disaient est-ce que c'est le reflet de la lumière originelle qui vient dans notre monde avec les possibilités d'association au Christ, à la lumière, etc. Ou d'autres qui n'hésitaient pas à se dire, attention, est-ce que c'est pas un reflet qui nous illumine et qui nous empêche de voir la réalité Parce que dès qu'il disparaît, je vois la réalité qui est un ciel noir. Je suis bien dans les ténèbres. Mais dans ce ciel noir, ils voyaient les petites étoiles. Et pour, pour eux, ces petites étoiles étaient des trous de laquelle perçait la vraie lumière du plérome. Donc la lumière qui est dans les ténèbres, c'était celle qui passait à travers les trous. Dans l'obscurité de la nuit. Alors que le, 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 la lumière du soleil était différente. Certains pourront dire non, non, c'est la, la lumière du Fils des Lumières qui vient sur Terre. Et d'autres diraient, l'agnostic dirait, méfiance. C'est aussi celui qui t'empêche de voir la vraie lumière. Parce que quand le soleil luit, tu ne vois pas les étoiles.